La matière demeure et la forme se perd. J'ai cité Ronsard. Rares sont les hommes de cette trempe. Nous, les curieux, nous sommes toujours à l'affût pour nous agiter et entendre le moindre secret de cette longévité. Peux-tu compter les cheveux sur ta tête? As-tu la possibilité d'ajouter un jour à ta vie? Pour cette simplicité aussi difficile à voir, faisons de notre mieux afin de conserver le capital présent, et Dieu, dans sa bonté, nous donnera la juste part qui nous revient. Le nord nous gâte de sa verdure, de ses riches bananeraies. Le sud nous berce de ses plages, de son saut soleil, des collines fleuries, des pâturages, mais nous ramène à une réalité, les mornes ne sont pas loin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Monsieur Louis-Joseph Maurice nous reçoit au Morne Rouge, mais dans sa commune du Marin. Nous sommes heureux de partager avec lui cette page d'histoire que je veux vous présenter. Monsieur Maurice, comment ça va? Eh bien, j'aurais dit encore ça, enfin, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Et, tu vois, enfin, je suis quelqu'un qui est un petit peu limité dans l'éducation. Je n'étais pas allé en classe. Alors, vous avez des gens, je vais admettre que vous êtes des gens suffisamment honnêtes de me supporter. Oui, Alors, nous sommes là pour ça. Nous eh allons te bien, mais oui. supporter. Alors, enfin, vous m'avez demandé comment ça va pour moi. Oui. Eh bien, médiocrement. Je ne sais pas si Médiocrement. c'est le mot qui convient. Médiocrement. Mais on va voir ça dans quelques minutes si c'est médiocrement. Mais D'accord. on se contente de cela. Eh bien, oui. Alors, quel âge tu as cette année? Eh bien, j'aurais dit encore, quand on prend naissance, on est bébé, on ne peut pas savoir quel jour, quel mois, quelle année qu'on a pris naissance. Mais je dis encore, je suis obligé d'accepter que la mairie du Marin dit, je prends naissance le 30 avril 1915. En 1915, Ouais. ceux qui ont leur tablette peuvent faire rapidement l'opération pour savoir qu'il aura un certain âge dans quelques jours. Alors, tu es né dans quelle commune? La commune du Marin. Quand tu es né dans cette commune, est-ce qu'elle était comme ça? Comment était la commune du Marin quand tu étais Eh petit bien, garçon? la commune du Marin, c'était une commune. Enfin, comment il faut dire ça? N'importe comment, il y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de marché. S'il n'y avait pas de Il marché. y avait pas, il y avait marché, mais un marché qui n'était pas couvert. Il y avait une école. Oui. Est-ce que tu es allé à l'école? Eh bien, non. Et mes parents avaient, ils en avaient 8. Et tu étais le dernier alors? Donc, Clémence était le premier. Clémence n'a pas été allée en classe. Cécile n'avait pas été allée en classe. Et Alice a fait des petits jours. René a fait des petits jours. Edgar a fait des petits jours. Mais Cécile n'avait pas, n'est pas allée, ni Clémence non plus. Et toi? Moi non plus. Alors, tu ramènes le dernier, il a fait des petits jours. Alors, Cécile, c'était une fille bien présentée. Elle fut bien présentée. Alors, elle travaillait en qualité de servante dans les maisons à Port-au-Prince. Alors, on leur disait une fille bien présentée comme toi. Et tu ne sais pas ni lire ni écrire. Alors, elle leur a répondu, mais mes parents ne m'ont pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, elle a dit qu'elle ne voulait pas que son cas, c'est mon cas. Alors, un jour, elle est montée à la campagne chez ma maman. Et puis, elle disait à ma maman qu'elle va me prendre pour me amener à Port-au-Prince pour me mettre en classe. Alors, à Port-au-Prince, c'est pas ma commune, et puis j'étais déjà avancé en âge, on ne m'a pas accepté. Et puis, comme au Marais, il y avait une dame qu'on appelle Madame Hortense Borde, qui fait classe pour des petits enfants de 2 ans, 3 ans, comme ça. Alors, il a dit à maman de me mettre dans cette école-là, et puis elle va payer pour moi.
Alors, j'avais déjà 8 ans, 8, 9 ans. Mm-hmm. Alors, j'étais obligé de me trouver parmi ces petits enfants-là. Et les enfants qui étaient en classe, Mangele, lundi à l'autre, viens voir ce grand homme-là qui est encore dans cette école-là. Mm-hmm. Il n'a pas appris. Il est encore dans cette école-là. Mm-hmm. Mais il ne connaît pas mon cas. Mm-hmm. Et alors, comme j'étais un petit bonhomme assez bien sage, la dame, elle m'a supporté. Mm-hmm. J'ai fait 2 ans là. J'ai dit, oh, ça m'embête de me trouver dans cette école-là. Mm-hmm. Je ne vais pas continuer. Et puis, je suis sorti. Bon, mais je connaissais les lettres, mais je ne savais pas comment les rassembler les lettres pour faire un mot. Mmh. Alors j'avais mon frère le petit, mon frère Triamène. Mmh. Alors je lui ai dit, ah, ça m'embête, je voulais enfin, au moins ça, écrire mon nom. Mmh. Alors là, il m'a dit, mets un M. Après M, A, après A, U, ça fait mot. Mm-hmm. Après I, il me dit, mets R, je fais un R. Mm-hmm. Après R, il me dit, mets un I, je mets un I. Et puis il me dit, mets un petit point sur le I. Et puis après I, il me dit, mets un C. Et puis après C, R, ça fait Maurice. Wow. Bon, et puis, mais le nom de famille, c'est Louis-Joseph. Là, il me dit de faire un L. Je fais un L. Après L, c'est O. Après O, mais U. Après U, il met I. Après I, je S. Ça fait lui. Et puis après, il me dit fait un J. Il me fait un J. Et puis, après J, je O. Ça fait Jo. Après Jo, il me dit, je fais un S, et après S, un H, et puis après H, après, pour faire Louis Joseph, après H. Après le S, il y avait un E. Ouais, alors ça fait Louis Joseph, alors ça fait Maurice Louis Joseph. Ouais. C'est de là que j'arrive à connaître mon nom. Et puis, il a tué à même mon frère. Il avait un livre lecture. Alors je balbuchais là-dedans et fait pour avoir appris à lire. Et puis là, j'ai arrivé à savoir, afin de chiffrer des petits mots comme je pouvais. C'était formidable, c'était déjà formidable. Oui, oui. Et puis Dieu m'a permis, j'ai trouvé l'évangile. Alors, par la grâce de Dieu, je pouvais maintenant ouvrir la Bible. Et pour lire. Pour lire. D'accord. Ouais. Alors, Momo, on va revenir sur cette histoire de l'évangile. Oui. Mais je veux dire à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Oui. Maman, là, il faut que je sache que Tico n'a pas maladie. Et Maurice. Oui. Quand tu as laissé l'école, qu'est-ce que tu as fait comme premier job? Premier travail, je travaille à l'usine. Mm-hmm. À l'usine. Fait du travail manœuvre. Qu'est-ce que tu faisais comme manœuvre? Eh bien, c'est-à-dire que les cannes, ça arrivait, c'était en période de la récolte. Mm-hmm. Alors, quand la canne arrivait à l'usine, il fallait. Et il y avait un système pour baigner la canne dans un chêne, qu'on appelle ça. Chêne monte, ça a mené la canne pour aller tomber dans le moulin. Mm-hmm. Mais il fallait quelqu'un pour ramasser les cannes qui tombent par terre ou mettre dans la chaîne. Oui. J'avais fait ça. Et puis alors, comme il y avait un contremaître là, qui s'appelait Edouard Mathurin, alors il m'a pris en considération. Et puis là, j'ai fait quelques jours dans ce travail-là. Et puis un jour, il vient, il m'a dit, petit garçon, d'avec Pio, bien propre, et puis allons avec moi. Et puis il m'a amené monter sur le plancher, à Paris, là où on fait des cycles. C'était des Anglais qui font des cycles. On appelle ça des cuiseurs. Il y avait des cuiseurs martiniquais aussi, mais plutôt les cuiseurs anglais. Sur le plancher, là, alors j'étais là avec eux pour laver l'appareil, pour tout comme ça.
Et puis là, je continue comme ça. Et puis après, on m'a envoyé travailler avec quelqu'un qui pour là qui ont fait la composition du. Quand les jus sortent du moulin, il faut les composer, mettre des produits là-dedans pour que ça puisse produire le sucre. Alors, il m'a envoyé travailler avec lui, un chef, il était mon chef, et puis j'apprenais comment faire la composition. Et puis, un moment, c'était moi, je suis devenu chef dans ce travail-là. Et puis, alors, un moment, mais après avoir composé, fait la composition, il fallait faire bouillir le jus pour préparer, pour que et l'appareil absorbe le jus pour transformer en sucre. Alors, il m'est arrivé que j'ai une petite défaillance et l'appareil, et on appelle ça bac et bac soleil. Alors là, le jus est arrivé tomber un jour par terre. Alors, ça m'a embêté, je laissais le travail. Et puis, je suis allé travailler à Port-de-France avec un beau-frère à moi qui était chef. Attends, avant d'aller à Port-de-France, ouais. Le sucre que tu faisais était vendu, était stocké où? À l'usine même? Le sucre qu'on faisait à l'usine, on le prend et puis on l'embarquait dans un chaland et puis on embarque ça sur le bateau. Le chaland arrivait où? Dans la baie du marais, dans la mer. Et puis le bateau prend le sucre pour mener en France. Donc il y avait un petit quai là et les chalands arrivaient au point de... Oui. C'était ça. Il y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Hein, non. Que le sucre partait là, que l'usine du marais faisait du sucre. Oui. Combien de sacs que le chaland prenait à peu près? Ah, des milliers de sacs. Alors là, il y a... Quand on appelle ça chaland qui prend le sucre. Et puis en arrivant dans le bateau prend ça en... Comme ça, c'est dit. En parlant, pour mettre dans le bateau. Des milliers de sacs de sucre. Quand tu as laissé l'usine du marais, tu es allé travailler à Port-de-France? À Port-de-France. Et dans la municipalité de Port-de-France. Et puis après, je suis remonté au marais. Alors, je suis remonté au marais. Et puis... Je suis retourné à travailler à l'usine avec un autre contremaître qu'on appelle M. Cadeneuve. Ah oui. Ouais. Et puis là, j'ai travaillé encore dans la fabrication. Et puis après, pour et la question de le sabbat, il fallait travailler le samedi. Et j'ai oublié de laisser le travail et puis aller travailler dans le champ. Nous allons revenir sur l'usine parce que l'usine est intéressante. Oui. À quelle heure que tu commences à travailler à l'usine? C'était 6h du matin, 6h du soir. C'était 6h, 6h. 6h du matin, 6h du soir et 6h du soir pour 6h du matin. Maintenant, c'est la journée, c'est comme 4h du temps. Mais maintenant, c'était 6h ou 6h. Alors, c'est deux cas. Une partie. Point. À 6h du matin, et puis à 6h du soir, il laisse un autre point pour 6h du soir, pour 6h du matin. Mais tu t'arrêtes à midi pour manger. Comment? Tu t'arrêtes à midi pour manger. Mais oui, ça dit, enfin, dans le travail, on prend un moment pour manger. Sur les mains, on mange. On n'est pas à l'aise, on prend rapidement. Rapidement? Mais oui. Est-ce que le travail était dur? C'était dur, hein. Ah ouais, c'était vraiment dur, hein. Alors, est-ce qu'il y avait des grèves en ce temps-là? Oui, il y avait des grèves. Mais c'est par rapport... La fermeture de l'usine est arrivée à cause de la grève. La grève. On est arrivé à faire une dernière grève. Alors, et les sucres, ça restait... À l'usine, ça ne peut pas embarquer. Les cannes, qu'on a un champ de cannes
coupé, les cannes restaient séchées dans la pièce. Les gens ne veulent pas travailler. Mmh. Ça, c'était une grève terrible, cette dernière grève. Et puis là, c'était de Rénal, l'usine. Mmh. C'est lui, il a fermé l'usine. Et puis c'est de là que ça a créé le chômage. Mais oui. Mmh. Mais oui. Et puis là, quand c'est arrivé comme ça, moi, je suis allé travailler avec un ouvrier charpentier. Mmh. Je travaillais avec un ouvrier charpentier. Mmh. Bon, alors j'avais un patron qui s'appelle Émile Disfan. Alors, c'était du temps de M. Donne. Monsieur Donne, il faisait confiture banane pour envoyer en France. Il pouvait pas, enfin, il y avait un appareil qui prépare la nourriture et la confiture. Mais il fallait des gens pour faire des caisses. On expédie ça dans des caisses bois. Alors on était à plusieurs. Et tu faisais ces caisses-là? Pour faire des caisses. Pour envoyer en France. Est-ce que les boîtes de confiture qui étaient tombées et qui étaient cabossées, vous pouvez partir à la maison avec? Ah, non, hein, ça, c'était bien confectionné. Hein. Bien. Il n'y avait pas de boîtes de confiture qui tombaient comme ça? Ah non, c'était bien conditionné. Hein. C'était bien étanché. Juste confiture qui est là-dedans. Il faut que ça soit bien confectionné. Mais est-ce que le patron vous donne un peu de confiture pour partir chez vous avec? Eh bien, enfin, le patron même ne nous donne pas, mais on arrive à prendre un petit pot de confiture pour partir avec nous. Un petit feuille confiture quand même. Mais oui. Puisque la poule là qui a gratté, c'est là qui a becté. Oui, voilà. Mandakou. Et ça, moi, les gens, ils m'ont dit, alors, m'a dit, bon, ben. Mais oui. Peut-être que c'est des gens qui diabétiques qui étaient à travailler là. Mais oui. Et puis, ça arrivait. Et puis, alors, j'ai travaillé, le dernier travail que j'ai fait. Attends, combien de temps tu as fait de la confiture? Comment? Combien de temps tu as fait de la confiture? Eh bien, d'environ comme ça, enfin, 2 ans comme ça. 2 ans, ouais. Et puis ça a tombé à l'eau. Mm-hmm. On a fait plus. Mm-hmm. Alors, on ne le faisait plus. Mm-hmm. Et puis c'est tombé à l'eau. Mais en ce temps-là, tu habitais où? J'habitais ici, dans le quartier. Ici, là? Pas ici, là. Premier, l'autre côté, là. Sur le terrain d'une personne. Ah. Le propriétaire s'appelait M. Bez, Fernand Bez. Il était sur le terrain. Alors, il m'a dit de. Je vais travailler avec lui, faire du jardin, tout ça comme ça. Et puis, il m'a permis de construire ma maison sur le terrain. C'était une canne en bois. En bois. Une cabane en bois. Oui. Et puis alors il est arrivé, ça n'allait pas. Alors j'étais obligé de casser la maison. Pour aller, j'ai demandé à le gérer de l'habitation, un endroit pour construire ma maison. Il m'a accordé un endroit. Je construis la maison sur le terrain de l'usine. Pour l'histoire de. Comment ça s'est dit, hein? Et politique, et communiste et socialiste, c'était deux partis. Alors, un dimanche qui avait élection. Verte, et comment ça, vote. Vote. Élection. Verte, et comment ça, vote. Vote. Alors, je suis voté communiste. Alors, il y a quelqu'un qui est allé dire à le gérer que je vais voter contre lui, je vais voter communiste. Alors là, le gérer m'a fait appeler et puis il m'a passé en bon chasse. Tout ce qu'on peut dire, en bon chasse. Ouais. Bon chasse. Un bon bougal. Bon bougal, ouais. C'est le mot qui convient. Ouais, je préfère les mots. Disant que. Et j'ai fiché par Manu Louis, je me permets de voter communiste.
Il a représenté. Oui, oui. Alors ça m'a insulté, je me sentais insulté. J'ai dit, ah non, si c'est ainsi, je ne vais pas continuer à rester l'habitation. Alors, ma belle-mère avait ici, là, dans ce parage-là, c'était un terrain familial, qu'on dit ça. Il y avait plusieurs héritiers. Alors, ma belle-mère avait sa part ici. Il m'a dit, il m'a donné autorisation de construire ma maison ici, là. Ouais. Bon, monsieur cassé en maison au bois, oui. Alors, et c'est découvert comment la maison? Et paille canne. Il n'y avait pas encore le tour. Et c'est toi qui recouvres la maison? Oui, oui, oui. On fait avec paille. On les fait par le bord, puis bord comme ça. Tu savais faire ça? Oui, oui, c'était ça avec ça. Les trolls, ça n'existait pas encore. C'est des gros qui avaient des maisons couvertes en troll, mais c'était en paille canne. Et la terre était comment? À terre, c'est la terre, la terre comme ça. Et ma maison. Alors quand ma belle m'a dit, fais construire sa maison ici là, je montrais la maison ici là, là où je suis. Bon. Mais c'était en bois, la maison en bois. Alors, mon épouse m'a dit à Momo, ce moment il m'appelait, Momo, pas de moyen pour nous faire. Puisque à force de monter la maison, ça t'abîme. Oui. Il m'a dit, Momo, pas de moyen pour nous faire qu'elle est en briquant. Alors, je lui ai dit, mais on va voir. Alors là, qu'est-ce que tu veux faire? J'étais obligé d'enlever la piscine, là c'était l'endroit le plus meilleur pour construire. Je cassais la maison ici, là, je l'ai amené plus par derrière. Ouais. Je l'ai montré là, et puis tandis qu'on est là, en bois, et on a construit ici, maison ici. Ouais. Encore, mais Momo, oui. Mais pour faire les briques, le ciment, les matériaux, le béton arriver ici, en taxi que tu as fait à monter, en camion, Eh bien, les briques arrivaient, on amène ça. Il n'y avait pas encore le chemin, c'était pas encore voiture. On l'achète, puis on met ça à côté de la route, on le prend, et sous la tête, jusqu'à ce qu'on ait fini. Mais oui. Tout, oui. Mais heureusement, c'est moi qui ai fait tous mes bétons pour faire toute la maison. Répète ce que tu as dit là. La maison. C'est toi qui as fait le béton. Tout. Regarde là. Regarde le béton qui est là. Le béton qui est là, c'est toi qui as fait ça. C'est moi qui ai fait. Des gens sont là, vous avez un pile de béton qui est là. Allez dans la maison et un fils à moi qui s'appelle Michel. C'est bon, Thierry Maurice. Qui manière ou fait wash la vini béton puis dit comme ça? Regarde. Tu vois, tous les pierres qui sont là, je les ai pris dans le fond de la ravine, là, sous mon épaule, pour déposer là, pour casser avec un petit, on appelle ça massette. Et puis, on réduit en béton comme ça. Tu as réduit ça en béton comme ça? Mais oui, toutes ces maisons-là, n'importe qui peut de tout ça, toutes ces maisons-là, c'est moi qui ai fait tous mes bétons. Ouais. Je peux descendre sous la maison. Je vais descendre sous la maison et vous voir ça. Hein? Et aller chez Jean-Michel, là, qui est un fils à moi qui se soit construit là, voir le béton que j'ai cassé là, pour voir la preuve. Une fois, quelqu'un est venu là, il m'a demandé où est-ce que le camion a passé pour déposer le béton là. Mais justement. Oui, il s'est retourné. Pour les 5 ans, il y a de roger le béton là. Je lui ai dit, mais c'est moi qui a fait tous mes bétons. Mais Maurice, oui? le béton que je vois là, il est à égal grosseur. C'est toi qui as cassé tout. Mais je peux te dire ça. Je dis, va dans la maison de Jean-Michel. Oui, je veux te dire, tu avais un calibrage pour le béton. C'est-à-dire, on voit la grosseur du béton. À chaque on a un gros marteau pour cacher les maisons. Et c'est ces mains-là qui... C'est ces mains-là
qui a caché, qui a... Enfin, comment je dois dire ça? Qui a fait le béton, quoi. Fait tout le béton. Je te crois, Maurice. Oui, je te crois. Mais bien sûr, il faut me croire, hein. Oui, je te crois. J'ai fait des ça. Mais la preuve, j'ai fait des dos. Là, tout ça, le béton qui est là. Et je crois que je vais prendre un sou pour porter chez moi, parce que pour ah, avoir un Ah, tu peux le prendre facilement, à l'aise. Ouais, à l'aise. Ouais. Tout ça, des pierres qui est là, ce sont des pierres que je les ai pris dans un ravin en bas là, qui a des pierres pour mettre pour le de poser là. Puis quand on est jeune, on est puissant, on est... Est-ce que tu te sens puissant toujours? Parce que je... Enfin, que... non. Ouais. Je ne peux pas. Puisque je suis... Comment je dois dire ça? Je suis un doyen. Mais oui. D'accord. Alors, je ne peux pas. Maurice, on va faire un petit pas en arrière, parce que nous sommes en 2015. D'accord. Est-ce que tu as connu le temps... Ah, non. Je ne vais pas t'insulter pour te demander, est-ce que tu as connu le temps Robert? Tu as vécu le temps Robert. Comment ça s'est passé? Eh bien, le temps Robert, c'était un temps compté de tout, vraiment, qui était costaud, qui n'avait rien. Il n'y avait rien, c'était de la misère. La misère, tout le monde est de misère. Il y a des gens qui avaient à ne pas manger dans une journée. Et en toute franchise, je vous l'ai dit, il y a des gens qui avaient une journée, ils n'ont pas de manger, ils n'en avaient pas. Les légumes, c'était par exemple, les gens sortent du bout pour aller dans toutes les campagnes chercher des légumes. Comme ça. Et c'est difficile, on n'en trouvait même pas. Tu étais déjà marié? Oui, j'étais alors, déjà marié. Alors, comment tu as fait toi-même? Eh bien, moi-même, je me suis enfin débrouillé, puis je suis l'accompagné, j'avais enfin des petits jardins, des choses comme ça. Ça m'a permis enfin, de tenir, mais ce n'était pas facile. Parce que si tu as besoin un tricot, ce tricot-là, tu es allé en magasin, il faut donner à la personne, au lieu de donner à la personne de l'argent, il faut donner à la personne des légumes. C'est un beau comptage. Oui, c'est un beau comptage ce temps-là. Mais oui, pour aller à Fort-de-France, c'était à pied, sauf les gens, que ce soit la commune, on habite, il fallait laisser là où tu habites aller à Fort-de-France à pied. Tu l'as fait? Moi-même, je l'ai fait trois fois, sorti ici, là où je suis, à la Fort-de-France, à pied. Et je l'ai fait comme si c'était rien pour moi. Et tu allais, tu revenais le jour ou le lendemain? Le lendemain, je dormais chez ma sœur. J'avais une sœur qui s'appelle Alice, qui l'habite à Fort-de-France. Et comme on l'entraide, je dormais chez elle. Et puis le lendemain, je reprends la route. Je reprends mes petites affaires, et puis je retourne à pied. Puis il n'y avait pas d'autres moyens. En ce temps-là... Si tu avais un camion, là, on me prend ça. Il le prend. Ah bon? Il le prend. Puisqu'il n'y avait pas arrivé, il n'avait pas arrivé, aucun arrivé, pour rien. Là, on me prend ça, hein? On me le prend, hein? Et vous n'avez rien vous dit? On n'a rien à dire, hein? Oui. Là, rien, l'armée était prioritaire. Quand l'armée pense à ça, est-ce qu'il y avait beaucoup de voleurs en ce temps-là? Enfin, disons, oui. Il y avait des voleurs obligés. Et puisqu'il n'y avait rien. Ah oui. Mais il n'y avait rien. Mais oui. Mais quand tu habitais le quartier, oui. La radio n'existait pas encore. Non. Donc, il n'y avait pas d'avis d'obsèques le matin. Non, il n'y avait pas ça. Hein. Alors, comment tu savais que... C'était des gens qui apportaient des... On appelle ça... Enfin, oui, ça a un nom. Hein. Des billets. Oui, les billets. Oui, justement, ça a un nom. Des billets. Oui. La vie d'Oxel, ça n'existe pas. Ah non, ça n'existe pas. Ah non. Et dans le nom, et, on servait le par exemple, pour les facteurs. Les facteurs à pied. Les facteurs à pied, qui apportent les lettres dans une boîte. À présent, ils sont en voiture. Ça, c'est facile. Mais c'est un marché. Les facteurs, c'est un marché à pied pour apporter les lettres. Ouais.
Et quand ils arrivaient, on prenait un petit sec. Comment? Quand ils arrivaient à la maison pour déposer l'aide, ils prenaient un petit sec et puis ils repartaient. Et puis ils repartaient, c'était ça. Il n'y avait pas d'autres moyens. Il n'y avait pas d'autres moyens, c'était ça. Ah ouais? Et Momo, tu as des enfants? Moi, j'en ai 10. Tu as 10 enfants? Bon, eh bien, j'en ai 10. 6 et 4 garçons. Wow. Bon, et j'ai 10 l'enfant normal. Bon, j'avais 25 petits, mais il y a une qui est mort. D'accord. Alors, il me reste 24 tiches. 24 l'enfant ish. Et puis, combien de tiches? Comme arrière. Et Gisèle a 2, Mimi a 4. A fait 6. C'est tout. Oui. Bon, René a. Non, René, c'est Tige. René a 2 enfants. Deux enfants, une fille et un garçon. Anne-Marie, c'est l'aîné. Elle a 3. 2 filles, un garçon. Annie a 4. Et 3 filles, un garçon. Je vais faire la liste. Annie. Garçons, une fille. Oui. Je vais voir Annie tout à l'heure. Elle va me raconter ça. Bon. Mais ce que je voulais savoir. Ouais. Quand tu as rencontré la. Ma fille, mon épouse. Ah, vous savez ça? Comment ça s'est passé? Puisque il n'y a pas de taxi maintenant. Et tu n'avais pas de voiture. Tu avais un mulet. J'avais un mulet. Moi, j'avais à passer 3 mulets. Pour apporter mes choses. J'étais un privilège. Hein. Donc tu étais quelqu'un de la quartier. Je n'étais pas n'importe qui pour avoir un mulet. Tu n'étais pas n'importe qui. Mais non. Mais ma belle-mère, la maman de mon épouse. Quand elle a vu les mulets, elle t'a donné la fille. Oui. Ah bon? Ouais. T'es vaillant comment? Oui, je suis vaillant. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, maman, ma belle-mère, il habitait enfin, environ un kilomètre, comme il l'a mis hors d'ici. Alors je vais aller chez elle le matin pour parler avec mon épouse. Non, elle n'est pas encore ton épouse. Hein? Elle n'est pas encore mon épouse. Non, ma fiancée. Mais oui. Et puis là, on s'est mis d'accord. Et puis, mais c'était du temps de Aubert. Ah. C'était du temps de Aubert. Uh-huh. Alors, tu as fait beaucoup de choses. Je suis marié avec un linge que j'avais déjà longtemps. Alors, on a pris ce linge-là, on l'a bien lavé. Bien repassé, bien escampé. Bien escampé, c'est avec lui que je suis marié, puisqu'il n'y avait rien. Je ne sais pas comme de nos jours. Hein. Ah ouais, hein? Et la réception, c'était quoi? C'était poule, c'était lapin, c'était quoi? C'était poule lapin. Oui, c'était ça. Et puis yam jaune. Yam jaune, c'était ça. C'était mangé grand jour. Oui. C'était ça. Ah ouais, c'était ça. Et puis Momo, tu es arrivé dans une période de ta vie et tu as rencontré l'évangile en chemin. Oui, grâce à Dieu. Comment ça s'est passé? Eh bien, voilà comment ça s'est arrivé. Alors, il n'y avait personne dans ce quartier qui connaissait l'évangile. Alors, il y avait une famille qu'on appelle famille Estache. Alors, parmi, il y avait un qu'on appelle Mano. Mano Estache. C'était un bon ami à moi. Alors, lui, il travaillait sous le terrain de l'usine, fait son jardin là, nourrit les bêtes. Moi aussi, j'avais aussi une partie sous le terrain de l'usine, là où j'ai fait mon jardin, nourrit les bêtes. Alors, un dimanche après-midi, tous deux, on est sortis dans nos affaires, et puis on s'est rencontrés. Et puis, mais il était déjà adopté avant moi, qu'on est l'évangile avant moi. Alors, il a pris la conversation avec moi, me parlait de l'évangile, et puis on est monté quand on est arrivé dans la croisée là, puisque c'est là qu'il habitait, et moi j'habitais ici là. Alors,
quand on est arrivé dans la croisée, on est resté longtemps à parler, c'est dans dimanche soir. Mm. Et puis à la fin, quand on est venu pour se séparer, il m'a dit, quand il monte là, il va se préparer, il va aller en réunion. Si je vais de me préparer, je vais aller en réunion avec lui. Mm. Alors je suis arrivé, je disais à mon épouse, et Romano du Mont-Saint qui... Non, je pas Fromano, je n'étais pas pour Fromano, je suis Mano. Mm. Et ma belle Maurice. Mm. Alors je dis que Mano du Mont-Saint, nous réunions, et puis je suis à mon corps, et je suis allé. Mon épouse m'a dit, mais ça c'est où? Mm. Et puis je me suis habillé. Mais du temps, pourquoi je me suis habillé, j'ai le temps. Je suis passé à sa rencontre. Mm. Là, il est temps de partir. Je suis parti à pied. Mm. Moi, seul, descendu. À ce temps, c'était Pasteur Péo qui faisait un effort. Mm. Alors, quand je suis arrivé au temple, il y avait des foules à la porte, des gens catholiques. Mm. Mais ils ne voulaient pas entrer. Alors, quand je suis arrivé, je suis debout, puisque la porte était barrée. Mmh. Alors, il y a une dame qui disait, il y a un monsieur qui veut entrer, faites-vous de la place pour qu'il entre. Mmh. Alors, on s'est rentré, moi, fait de la place, je suis entré. Quand je suis entré, tous les gens étaient braqués sur moi. De me voir. On est content. Après la réunion, tous les gens m'ont accueilli. Pasteur Préau. Des gens m'ont accueilli. Alors, c'est un dimanche soir. Bon, et puis alors, mais le mercredi soir, je ne suis pas allé en réunion. Mm. Le samedi, premier lot qui arrivait, je suis allé en réunion avec Pasteur Saba. Mm. Et puis, on est resté toute la journée chez une sœur de Mano. Mm. On a passé la journée. Et puis, on a passé les cultes. Et puis, dans l'après-midi, c'était la réunion missionnaire volontaire. Mm-hmm. C'est ça? Mm-hmm. Et puis, là, j'ai assisté la réunion. Mais ce qui m'a fait plus plaisir, je vois que c'était... Maintenant, là, on ne le faisait pas, mais on récitait un verset de Virgile. Mm-hmm. Chaque personne. Ouais. Ça m'a fait plaisir. C'est donc un plaisir de chaque personne. Mm-hmm. Alors moi, j'ai appris aussi la Vigile. La Vigile. J'ai récité la Vigile aussi, comme les gens. En ce temps-là, tu savais lire, tu avais appris à lire encore. Mais oui, après, ça m'a appris à lire encore. Mm-hmm. Mais oui. Et puis là... C'était samedi après-midi, samedi. Mm. Et puis le samedi soir, je devais aller prendre mon travail à l'usine, à 10h du soir. Mm. À 10h du soir. Et puis quand je suis parti de là, c'était chemin à pied, descendu à pied. Alors je descendu par la voie ferrée. Mm. Mais il faisait noir, il n'y avait pas de lumière. Quand je suis laissé ici là, environ peut-être... 8 heures. Enfin, quelques mètres enfin, je sentais une belle main cramponnée dans les pieds comme ça. Et puis là, je suis sauté et puis j'ai fait un bond. Et puis je suis allé debout plus loin en train de méditer. Je dis, quelle bête qui m'a mordu là comme ça. Mais j'ai entendu, j'ai senti la bête m'a cramponnée, oui. Et puis là, je sentais que le pied est froid. Je l'ai touché comme ça, je vois ma main est en sang. J'ai dit, ouh, un serpent qui m'a mordu là. Alors là, je ne peux pas retourner. Je sentais la bête m'a cramponné, oui. Et puis là, je sentais que le pied est froid. Je l'ai touché comme ça, je vois ma main est en sang. J'ai dit, ouh, un serpent qui m'a mordu là. Alors là, je ne peux pas retourner dans là où je passais. Je suis obligé d'aller plus bas, descendre, jambant la rivière, et puis pour retourner ici là. Quand je suis arrivé à mon épouse,
il y a une bête qui m'a mordu là, c'est un ancien serpent. Et réellement, il y avait un petit jeune homme de tout près de nous là, qui savait comment guérir les maudits de serpent. Mais son papa, c'est un vaillant traiteur, mais lui-même, il n'était pas encore trop fort. Alors, il est venu, il m'a pensé, le samedi soir, donc dimanche matin, il m'a pensé, lundi, il m'a pensé, mardi, je me sentais mal fichu tout seul, je me sentais perdu. Alors, comme il y avait, dans une commune de Rieux, qu'on appelle et la Marianne, il y avait un monsieur là qu'on appelle monsieur Victoris Gabriel, c'est un vaillant traité. Puis qui faisait les gens partout, c'est un vaillant traité. Alors je dis à les jeunes qui me pensaient, eh bien je me sentais vraiment pas bien, est-ce que qu'il veut que je fais appeler monsieur Victoris qui est plus fort. Il m'a dit mais oui. Il a accepté. Alors, un fois, moi, qui s'appelle Edgar, il est allé voir M. Vitoris. Mais M. Vitoris, c'est quelqu'un qui va dans tout partout et traiter les gens. Il n'était pas là. Alors, il est retourné. Alors, quand il est retourné, je leur ai dit, en tout cas, dépêchez-vous de m'emmener à l'hôpital parce que je ne me sens vraiment pas bien. En arrivant à ce temps-là, c'était pas comme de lui, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de chemin, c'était à Mac. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Une toile, ça. Et puis on met un babouin. Why? Qui est là donc? J'ai réussi à la garder. Qui est là? Et puis on m'a amené à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, il y avait un CEO, un religieux, qui s'appelle Joseph. Joseph. Il m'a dit, il va mourir, oui. On a attendu trop longtemps avec lui. Il va mourir. Quand il a dit ça, mon épouse commençait à pleurer. Les gens ont venu le courageux. Et puis, il m'a sombré de piqûres. Il m'a sombré de piqûres. Et puis là, je passais la nuit avec souffrance. Alors, je disais à mon... Dieu, j'ai dit Dieu, que ta volonté soit faite. Et puis, elle m'a continué, le lendemain, elle m'a venu, elle a continué à me donner des piqûres encore. Alors, mais le soir, je me sentais vraiment mal. Je me sens perdu. Et heureusement, le lit de l'infirmière était dans ma chambre, dans ma chambre là où j'étais. Alors je lui ai dit, je me sens vraiment mal fichu. Est-ce que lui va aller appeler la sœur pour moi? Il est allé appeler la sœur religieuse. Elle est venue à la hâte. Et puis quand elle est revenue, voilà, eh bien c'est ça, c'est parce que le venin est déjà au cœur, il va mourir. Et puis là, il m'a continué à me donner des piqûres comme ça, des piqûres comme ça, et puis jusqu'à ce que Dieu a permis, je retrouve la vie. Bon, mais les gens qui viennent me voir, qui me rendent visite à l'hôpital, ils m'ont dit, c'est parce que je suis allé chez le dentiste, le serpent m'a mordu. Parce que tu es allé? C'est parce que je suis allé chez le dentiste que le serpent m'a mordu. Je ne me suis pas allé me laisser à la découragement. Et puis là, Dieu m'a permis, j'ai rétabli, et puis je suis retourné au temple. Mais personne ne t'a dit, puisque tu es allé chez les Adventistes, le serpent ne t'a pas tué. Non, grâce à Dieu, non. Alors, quand tu as accepté l'évangile, tu as été baptisé où? Eh bien, au marin. Ou bien à la mer? Et à la mer, c'était ça, à la mer. À la mer, c'était du temps de pasteur Péro. Et en ce temps-là, on a fait la fête avec toi ou bien on a mis à Djindjin, on s'est moqué de toi? Non, on s'est déjà dit qu'en ce temps-là, et on moquait toujours des Adventistes, mais on ne m'a pas fait trop la fête avec moi. Mais oui, et puis là, Dieu a permis que j'ai 10 enfants
je les ai tous mis faire connaître l'évangile. Ouais. Oui, alors une fois, et ma fille aînée, il s'appelle Madame Miandu, vous le connaissez? Oui, je l'ai déjà rencontrée. Bon, une fois, elle disait, papa, le plus grand cadeau qu'il m'a fait, c'est de me faire connaître l'évangile. Ça, c'est un privilège, c'est une chose, hein, dans ton parole. Ah oui, ça. Mais quand on a ça, son enfant lui dit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis alors, j'ai tous mes enfants qui sont dans l'évangile maintenant. Alors, comment tu trouves la vie aujourd'hui? Enfin, dans le sens qui est... Enfin, le changement qu'il y a maintenant par rapport au pas avant, enfin, c'est tout à fait... C'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire, dans le passé, la vie était plus bonne, mais plus mauvaise quand même, parce que dans le passé, et les choses, les gens allaient à pied, ni pied, ni pied, au marin, mais ni pied, hein. Et puis on n'avait pas besoin de bon linge, alors ça facilite. Ça n'a pas de l'affaire. Maintenant, on cherche à voir plus, enfin, comment je dois dire ça, plus, enfin, différent. Ça rend la vie difficile. Et puis, le passé, on mangeait que des légumes. C'est pour, et du temps d'Aubert, pour trouver, avoir un pain, il fallait lever depuis 3h du matin pour aller sur la quai. Pour trouver un pain, oui, c'était ça, hein. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, puisque dans une semaine tu auras 100 ans? Oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour que cette personne ait ton âge? Eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Moi. Mais vous êtes comme moi? Comme moi? Moi, j'ai vécu, enfin, j'ai mangé que des légumes. Hein? Et dormi le soir, enfin, à l'ovoli. Et puis, je n'ai pas abusé, enfin, ma santé. Alors, c'est tout. C'est tout. Et puis, Dieu m'a permis de connaître l'évangile. Ça m'a abrégé pour ne pas, enfin, me livrer dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Oui. Mais de ton temps, il n'y avait pas la sécurité sociale. Non! Non! La sécurité sociale, ça a vu en quelle année, je ne me souviens pas. Il n'y avait pas ça. Quand, par exemple, quelqu'un est mort, c'est qu'est-ce qu'on fait pour entrer la personne. Il n'y avait pas ça, hein. Et pas de tontine non plus. Comment? Tontine. Non, il n'y avait pas ça, hein. Il n'y avait pas cette affaire-là du tout, hein. Ah non. Ah non. Ah non. Maintenant, il y a des facilités. Quand tu... Écoute, hein. Dans le passé, quand tu travailles, il fallait travailler jusqu'à... tu es vieux, tu ne pouvais rien faire, alors ta famille s'en occupe de toi. Mais il n'y avait pas la sécurité, hein. Et comment tu trouves la vie? La vie est bellement aujourd'hui, voitures arrivent ici. Oui, la vie est quand même meilleure quand même, par rapport de nos jours, dans le passé. Eh oui, il y a des facilités de privilèges qu'il y a maintenant qu'on n'avait pas dans le passé du tout, hein. Ah non. Quand une personne travaille, jusqu'à ce qu'il arrivait à être vieux, il ne pouvait pas travailler encore. C'était ça. Si tu veux faire une économie, c'est à toi de savoir faire l'économie. De faire économie. Et quand tu es entré en retraite, qu'est-ce que tu as fait alors? Tu as continué à travailler pour toi-même? Oui. J'ai fait un travail comme ça. D'accord. Mais oui. Et puis maintenant là, je suis, je me retraite un peu chaque mois. Ça, comme ça c'est bien. Ça me permet de rester. Mais oui.
Mais oui. D'accord. Et alors, j'ai 10 enfants. Et je redis encore, j'ai 6 filles, 4 garçons. J'en ai, pour l'instant, disons, 5 là-bas. Ouais. 3 filles là-bas, qui vivent là-bas, et avec 2 garçons. Ouais. Et en Martinique, j'en ai 3 filles, oui. Mais je vais les voir tout à l'heure, je vais les faire parler. D'accord. Donc, nous sommes arrivés à l'horizon de notre entretien. Oui. Je pourrais dire à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, un siècle ne peut se lire en une heure. Vous fixez l'horizon, vous ne verrez jamais le temps passer, mais le présent est toujours là. Ah bon. C'était chez Momo, au Monde Rouge, au Marin, une page de son histoire. Berthe était là, Berthe est allée, bon Dieu était épisode. Oui. À bientôt. Voilà.